Bonjour et bienvenue dans cette série de tutoriels dédiés à iSmart. Quelles sont les fonctions? Comment les utiliser? Où les trouver? Voici ce que nous allons découvrir ensemble à travers cette série de vidéos. Prêt? C'est parti! MG iSmart est l'expérience de conduite connectée, intelligente et personnalisable. iSmart, c'est un système de réseau intelligent qui intègre la communication entre la voiture, Internet et l'utilisateur. Ce nouveau système est de série sur les modèles de dernière génération lancés depuis la fin d'année 2021. De la planification de votre départ jusqu'à votre arrivée, vous pouvez compter sur plus de 50 fonctions connectées. MG iSmart se compose de deux systèmes, votre système embarqué et l'application mobile. Pour pouvoir bénéficier des services connectés sur votre smartphone, il convient de télécharger l'application mobile. Deux façons alors s'offrent à vous. La première est de scanner le QR code pour obtenir le lien de téléchargement depuis l'onglet « Utilisateur » dans « Véhicule ». La seconde consiste à télécharger l'application depuis votre smartphone en recherchant MG iSmart dans l'Apple Store ou Google Play Store. Une fois téléchargé, ouvrez l'application. Appuyez sur ce bouton pour accéder à l'interface d'enregistrement. Choisissez la langue. Vous pouvez alors vous enregistrer grâce à une adresse email ou votre numéro de téléphone. Un code de confirmation vous sera envoyé. Définissez votre mot de passe. Prenez ensuite le temps de lire les conditions générales d'utilisation, puis cochez la case pour valider la création du compte. Voilà, votre compte est correctement créé. Il faut maintenant appairer le téléphone avec le véhicule. Pour y parvenir, faites glisser votre doigt afin de déverrouiller le cadenas, puis cliquez sur « Lier maintenant ». Scannez le QR code affiché dans l'onglet « Utilisateur » du véhicule. Une fois le QR code scanné, définissez votre code confidentiel depuis votre smartphone. Si vous avez oublié votre code confidentiel, vous pouvez le réinitialiser dans le menu « Profil »,« Réglages code PIN ». Voilà, votre véhicule et votre smartphone sont synchronisés. Il est possible d'associer plusieurs véhicules à un même compte. Pour y parvenir, c'est très simple. Cliquez sur Télécommande. En haut de l'écran figure le modèle du véhicule. Cliquez dessus pour ouvrir le gestionnaire des véhicules. Cliquez sur Plus, puis renouvelez la procédure d'appairage. À noter qu'un compte peut être relié à plusieurs véhicules. Cependant, un véhicule ne peut être relié qu'à un seul compte. Pour dissocier un véhicule, c'est très simple. Dans le menu Télécommande de l'application, en haut de l'écran, figure le modèle du véhicule. Cliquez dessus pour ouvrir le gestionnaire des véhicules. Sélectionnez le véhicule à dissocier, puis cliquez en haut à droite sur Déverrouillage, puis Confirmer. Un code de validation est envoyé au numéro de téléphone ou l'adresse mail associée au compte. Une fois la validation effectuée, une notification vous informe du succès de la manipulation. Un véhicule dissocié d'un compte pourra être de nouveau associé sans souci. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le manuel d'utilisation accessible dans Réglages, rubrique Manuel d'utilisateur, puis en cliquant sur Manuel de divertissement. Ou bien depuis l'application mobile dans Mon profil, Manuel, puis Navy Manuel. Allez, à vous de jouer maintenant pour découvrir les nombreuses fonctionnalités disponibles depuis le système embarqué ou l'application mobile.